À l'hôtel de la boule noire, elle débarqua avec ses bas noirs, princesse traversant la salle de billard. Y avait Dieu que pour elle, pour son décolleté en dentelle, tous au garde à vous ou tel quel. Elle prit les clés de la chambre 108 et s'y est bouclée sans donner suite. Dans le hall, ça jasait sur un air de Duke Ellington, comme quoi elle en faisait un peu des tonnes. Tu m'étonnes avec sa démarche de panthère, elle les avait tous mis par terre. Ça bavait, ça suffoquait, ça demandait de l'air. Et comme si ça suffisait pas, un courant d'air qui passait par là leva sa jupe et montra la culotte qu'elle n'avait pas. Il était une fois de la chambre 108, un groom, ma foi, qui avait de la suite dans les idées, bien décidé. Elle l'appela de la chambre 108, lui commanda 18 huîtres bien cuites, bien décidée, elle aussi, depuis le bidet. Elle le reçut tout de guingois, en petite tenue comme autrefois, bien échaudée, toute dépareillée. Depuis le couloir jusqu'au salon, lui une grosse barre dans le pantalon, elle ne vit que ça, lui ne pensait qu'à ça. Elle l'attrapa de par le manche et le traîna en ce dimanche jusqu'à son pieu. Que pouvait-il rêver de mieux? Ensemble ils firent les 3-8 en faisant des tours de grand 8 au fin fond de la chambre 108. Le lendemain au petit matin, tout naturel et l'air de rien, on se remet les pantis à l'heure. Elle repartit comme elle venue. Quand elle sortit sur l'avenue, elle remit toutes les pendules à l'heure. Elle s'engouffra dans un taxi, pendant que le groom lui tenait la porte d'un croisement de jambes trop sexy, lui dit au revoir en mini-short.